Ce président nous traîne dans la boue depuis des mois, des semaines. Enfin, je vais pas vous ressortir la longue litanie. Une gare, c'est un lieu où on croise des gens qui ne sont rien. Mais comment ose-t-il ? Mais comment peut-il être aussi... Je trouve même pas on les mots. On sent que c'est épidermique, hein, quand mais vous parlez. Mais je trouve pas les mots. Mais moi, je parle en mon nom propre. Mais il y a 70% des Français qui pensent la même chose que moi et qui, aujourd'hui, ils sont prêts à voir la France cul par-dessus tête parce qu'on a un obstiné, parce qu'on a Melon 2000, parce que si la mégalomanie se mesurait, il serait à Sèvres, il servirait de maître étalon.